C'était un alarme pour un rappel pour le gala Méritas de cette année. C'était aujourd'hui, ça? Ouais, mais avec la situation actuelle, c'est annulé cette année. Fait que... C'est poche pareil. Hein? Hey, c'est pas vrai qu'on n'aura pas de gala Méritas cette année. On le fait. OK, mais on fait ça comment? Suis-moi, on va te montrer ça. Bienvenue au Gala Méritas 2019-2020. Je suis Marie-Pierre Thibault. Je suis Simon Biteau-Larocque. Et c'est pas vrai qu'on n'aura pas de gala, même en confinement. Cette année, on nous a demandé d'animer parce qu'on est vraiment bon. Ou parce que c'était nous les deux qui avions le plus besoin de sortir de chez nous. Hello darkness, my old friend. Simon, tu viens tellement de péter ma balloune. Vous allez voir, cette année, le gala va être un peu différent des années passées. Il n'y aura pas de prix strictement pour le rendement scolaire. Il va y avoir plein de reconnaissances pour plein de sortes de raisons. Le leadership, l'implication des élèves, vraiment plein de sortes. Deuxièmement, le gala est structuré pour remettre les prix par mention. Alors, on va commencer avec une mention de reconnaissance par les enseignants. Ensuite, on va passer aux élèves qui auront eu deux mentions, trois mentions, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du gala pour l'élève de l'année. Sans plus attendre, voici Mme Nathalie Charest, directrice du deuxième cycle. Bon gala! Bonsoir, chers parents, enseignants, personnel, membres de la direction et finalement, vous, les élèves. Bienvenue au gala Méritas Nouveau Genre de l'année scolaire 2019-2020. Quelle belle année nous avons eue tous ensemble, et ce, même malgré le confinement et ses obstacles. Une année différente peut-être, mais avec de belles réalisations quand même. J'aimerais prendre quelques minutes avant que l'on débute cette merveilleuse soirée pour remercier tous les parents qui nous écoutent ce soir et nous regardent virtuellement. Sans vous, vos efforts, votre soutien et votre patience, nous ne pourrions pas y arriver. Depuis plusieurs années, vous nous faites confiance en nous envoyant vos enfants à tous les matins et pour cela, nous vous en remercions. Parfois, ils arrivent avec le sourire, nous sourient, nous saluent. D'autres matins, ceci n'est pas au rendez-vous. Mais c'est à ce moment que notre personnel engagé fait toute la différence. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour tout leur dévouement, leur patience et leur don de soi. Grâce à tous ces gens, nous pouvons former les futurs citoyens de demain et de ce que j'en vois, ils ont un bel avenir devant eux. À vous, chers élèves, peu importe la raison pour laquelle vous avez été invités à ce gala différent ce soir, soyez fiers. Vous avez travaillé fort toute l'année, vous vous êtes améliorés. Vous avez su relever les défis que vos enseignants vous donnaient. Vous méritez votre place au gala et vous avez le droit de savourer ce moment spécial avec votre famille, de célébrer vos succès, vos efforts et surtout votre persévérance.
À vous, chers élèves de la 5e secondaire, nos finissants, qui n'avaient pas eu à faire l'épreuve ministérielle en français et en anglais, mais qui avaient travaillé tout aussi fort, et ce, même en confinement. Je vous félicite pour votre accomplissement. Que vous partiez pour le cégep, le domaine professionnel ou bien l'université, partez la tête haute et n'ayez crainte. De nouvelles expériences et aventures excitantes vous attendent. En espérant qu'à l'automne, vous viendrez nous visiter, évidemment, si la santé publique nous le permet. Je vous laisse maintenant visionner, dans le confort de votre salon, ce gala nouveau genre. À tous, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Charest. Veuillez maintenant accueillir M. Frédéric de Mercefort pour la présentation des récipiendaires d'un méritas. Cette catégorie est particulièrement grosse, alors on a décidé de la séparer en trois parties distinctes. Ça veut dire que si tu ne gagnes pas dans la première partie, il t'en reste deux autres pour te reprendre. Bonne chance! Bonjour à vous tous. Voici donc les premiers gagnants dans la catégorie « Une mention de reconnaissance ». Anne-Mé Archambault en français pour sa persévérance en lien avec la réussite. Amélie Laurendeau en éducation physique pour sa détermination et sa passion des sports. Xavier Lemieux en multisport pour son implication et ses performances sportives. William Saint-Amour en mathématiques pour sa persévérance dans le cours. Guillaume Bélanger en anglais régulier pour sa persévérance dans le cours. Bravo à vous cinq! Merci, M. Demersforg. Passons maintenant à M. Martin Chaumont, président de l'Association Parents, pour la présentation des bourses qui seront remises par l'ADP. Bonjour, mon nom est Martin Chaumont. Je suis le président de l'Association de parents du Collège Nouvelle-Frontière. Je profite de cette opportunité pour vous informer que vous êtes récipiendaire d'une des bourses de l'Association de parents que nous vous remettons dans le cadre du gala Méritas virtuel. Il nous fait plaisir de remettre des bourses qui soulignent vos efforts sur le plan athlétique, académique ou encore pour la part exceptionnelle dont vous avez fait pour faire en sorte que le Collège Nouvelle-Frontière soit un lieu d'apprentissage exceptionnel. Cette année, nous remettons donc une bourse pour l'athlète féminine de l'année ainsi qu'une bourse pour l'athlète masculin de l'année. De plus, nous remettons 5 bourses pour l'élève de l'année, soit une bourse par niveau. Finalement, nous remettons des bourses coup de cœur. Il y a une bourse coup de cœur par groupe tuteur. Cette bourse est donnée à un étudiant ou une étudiante qui a su faire une différence au sein de son groupe et à NF. Encore une fois, félicitations et je vous souhaite de passer un bel été. Merci. Merci, M. Chaumont. C'est grâce à la générosité de l'ADP que nous pouvons souligner l'investissement personnel des élèves extraordinaires qui forment un groupe titulaire. C'est certain qu'on aurait voulu choisir plus d'un élève par groupe, mais nous devions choisir qu'un seul récipiendaire. Mais les autres, on vous aime quand même. Donc, tout au long du gala, on va pouvoir voir en vidéo la remise de ces bourses aux élèves coup de cœur. Alors, il est temps de passer au premier groupe. Bonjour. On va décerner le coup de cœur pour le groupe 5-5-1 parce que t'es une leadership initiative, studieuse. T'es quand même assez souvent de bonne humeur. J'ai fait les calculs, tu places ça à 6% dans 35 ans, ça vaut 384$ parce que t'as une bourse qui vient. Wow. T'as un petit devoir, il va falloir que tu remplisses la paperasse, sinon t'auras pas l'argent. Bonjour à vous. Voici les 5 prochains gagnants dans la catégorie Une mention de reconnaissance, deuxième partie. Alors, les élèves méritants sont Mazen Krass en chimie pour sa persévérance et son implication. Adrien Levert en physique pour son rendement scolaire. Marc-André Séguin en art dramatique pour l'excellence de ses performances. Georges Scaff en conditionnement physique et plein air pour son investissement et son leadership. Jasmine Labelle-Idrissi en ECR pour son implication et son originalité. Félicitations à tous les gagnants!
Vous méritez grandement cette reconnaissance. Passons maintenant à la catégorie coup de cœur avec le groupe 552. Ça va bien? Oui! Ah, quelqu'un! Allô? Oui, juste, on va garder nos distances. Fait que, je viens ici parce que, ben, dû à ton dévouement, puis écoute, ton acharnement à tellement vouloir en vouloir plus, puis tellement te perfectionner, il a été décidé que tu vas être coup de cœur du groupe 552. Okay. Fait que je vais le remettre ici pour garder les distances. Fait que, en gros, ce certificat-là, ben, c'est la preuve que tu as été émis coup de cœur. Tu vas d'ailleurs faire partie du gala Méritas. Également, à l'intérieur, tu vas avoir un formulaire à remplir, tu vas avoir une bourse de 50$ de l'Association des parents. Fait que ça, c'est pour tout ton travail et ton acharnement en classe. Ok, merci. Ben, félicitations. Voici maintenant la dernière partie de la catégorie « Une mention de reconnaissance ». Les élèves méritants sont Soraya Doumbia en mathématiques pour son rendement et sa persévérance, Tegan Parent en multimédia pour sa créativité et son investissement, Lauriane Meunier en art plastique pour ses engagements exemplaires, et finalement Rebecca Saliba en mathématiques pour ses efforts soutenus. Hey Simon, on est déjà rendu à la moitié du gala. C'est fou comme ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Tu parles de moi, là? Non, je parle des élèves. Salut les élèves, on s'ennuie de vous autres! Allô! Marie, calme-toi. Tu vas avoir vraiment de l'air désespéré. Mais là, je suis désespérée! OK. Passons à la prochaine catégorie, les récipiendaires de deux méritances. À vous, Madame Richer. Merci, Monsieur Buteau-Larocque. Je suis présentement en direct de ma salle à manger et je suis ici pour vous présenter la catégorie de mentions de reconnaissance. Voici les élèves méritants. Victoria Woolford en ECR pour son rendement et l'originalité de ses travaux et en mathématiques SN également pour son excellent rendement. Josiane Boileau en monde contemporain et en français pour la qualité de son rendement. Juliette Desfossé, en anglais enrichi pour son altruisme et son enthousiasme, et en histoire pour son rendement et son implication. Alexandre Lemieux, en anglais régulier pour son enthousiasme et sa ténacité, et en éducation physique et à la santé pour son sens du leadership et son ardeur au travail. Sandrine Langevin, en mathématiques pour son rendement et sa participation, et en chimie pour sa proactivité et son sens du leadership. Félicitations à tous les gagnants. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe maintenant l'antenne au présentateur du coup de cœur de 553. Quoi? Ben, il faut aller mettre le certificat coup de cœur à notre élève dans notre groupe titulaire. C'est qui qu'on a choisi déjà? Ben, on a choisi Victoria. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Faut aller lui porter chez elle? Oui, elle habite à l'eau. À l'eau? C'est une ville, ça? Oui. C'est où? C'est à l'est de bonjour puis à l'ouest de salut? C'est quoi cette ville-là? Non, c'est avant le Westfield. Ah ben? Après? Ben, je sais pas. On va checker sur Google Maps. C'est à 1h15 d'ici. Oh, c'est ta petite bière, ça? Non, on fait ça dans ton Zoom à place? Bonjour. Ben oui, t'es en retard. Ouais, désolé. Au palais. Hey Victoria, je t'ai menti un petit peu dans le courriel. Je t'ai dit qu'on voulait te parler parce qu'on parlait à quelques élèves de notre groupe titulaire. Mais c'est pas vrai, c'est juste toi qu'on voulait parler. Parce que chaque groupe titulaire, les enseignants, on choisit un élève qui, on croyait, méritait un certain prix. Un prix de leadership, de gentillesse, de implication. Puis c'est toi qu'on a choisi. Et là, ici, il y a un certificat avec ton nom dessus, que tu as gagné. Et aussi, tu vas avoir une petite bourse
Puis, on est pas mal fiers de toi. Félicitations, Victoria! Merci beaucoup. C'était vraiment agréable de... C'était court, mais c'était vraiment agréable de t'avoir comme élève. Merci. Nous, on a eu beaucoup de chance. On s'est vu les deux premières étapes. Puis, je voulais te remercier d'avoir contribué aussi pour le bar raté avec Maria. Je pense que sans vous deux, là, ça n'aurait pas eu lieu. Puis, tu as tout le temps été un bon appui aussi pour Maria là, quand vous avez effectué là, des activités puis quand on proposait des activités pour notre groupe titulaire. Donc, je pense que tu le mérites amplement, ce certificat-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous aider dans ça. Hey Simon, on est déjà rendu à la catégorie des élèves ayant eu 4 mentions. Effectivement. Ça veut dire qu'on approche de la catégorie de l'élève de l'année. Ouais, mais il faudrait quand même pas passer sous silence les élèves qui sont mérités 4 mériteurs. C'est quand même impressionnant, 4 enseignants qui reconnaissent tout l'effort que tu as mis, toute l'énergie que tu as mis cette année. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai, c'est correct. On va vous faire une petite place. Veuillez accueillir Mme Farah Arzouni et Mme Alice Villeneuve. Samuel réussit à impressionner ses enseignants par ses multiples talents. Doté d'une maturité exceptionnelle, il pose d'excellentes questions qui nous forcent à réfléchir et à raffiner nos réponses. Toujours concentré sur ce qu'il doit faire, il nous remet toujours ses projets d'une très grande qualité. D'ailleurs, il nous a raconté qu'il aimerait bien se diriger en entrepreneuriat. Nous n'avons aucun doute que Samuel sera un excellent entrepreneur puisqu'il est un communicateur hors pair. Sa voix, son ton calme, nous rassurent tout en nous mettant en confiance. Pour terminer, en plus de ses talents, il est un extraordinaire athlète qui incarne l'autodépassement, en plus d'utiliser son esprit sportif afin de pousser ses coéquipiers toujours un peu plus loin. C'est avec un immense plaisir que nous avons pu côtoyer Samuel dans nos différents cours et que nous sommes fiers de son rendement scolaire. À vous, Madame Arsenault. Merci, Madame Villeneuve. Demandez à cette élève de faire de la poésie, elle vous répondra qu'elle déteste cela, parce que c'est pas logique. Par contre, en éthique où l'abstrait et le concret se conjugue, cet élève arrive à se démarquer dans la qualité et l'originalité de ses projets, et ce, tout en faisant preuve de créativité. Utopique? Non, pas pour elle. Puisqu'elle a su créer un monde plus que parfait en éthique, tout en définissant la couleur parfaite et en justifiant l'injustifiable. En mathématiques, chimie, physique, il n'y a aucun doute que cet élève à l'esprit rationnel y nage comme un poisson dans l'eau. Elle excelle dans bien des choses, et ce, sans aucun doute grâce à son grand esprit d'analyse et son sens de l'organisation, puisqu'elle se met au travail sans perdre une minute. Chose certaine, avec elle, tout est à sa place. À sa place, oh que oui! Si vous avez lu ses travaux, vous savez ceci. Microscopique, patte de mouche, minuscule, mais toujours bien droite, bien alignée, bien formée. C'est avec une calligraphie à faire plisser les yeux de ses enseignants que cet élève a si bien complété ses travaux, ses projets. Pour ses évaluations, elle réservait une police de caractère un peu plus grosse, mais toujours aussi parfaite. Qu'ajouter de plus? Jade est une élève perfectionniste, travaillante et souriante qui prend ses études à cœur. Bravo aux gagnants! Quelle belle performance de votre part! Je vous quitte en vous laissant entre de bonnes mains avec les deux derniers coups de cœur de la soirée. Bonjour Samuel Valbonzel, ça va bien? Ça va bien, toi? Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais. Madame Richer et moi, nous avons sélectionné pour être le coup de cœur du groupe 554. OK. Et pour ta gentillesse, ton travail exemplaire, ton leadership positif, wow. Mais surtout pour ta joie de vivre contagieuse. Donc, on te remet ce certificat-là. Merci beaucoup. Avec Je vais défacer. Oui. Oui. Avec une bourse de 50 $ de l'association de parents. OK. Puis tu fais partie de notre gala méritas de cette année. OK. Et là, c'est pour ça qu'on te parle. Merci beaucoup.
Félicitations. Wow. Oh, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Fait qu'on est chez Olivier. On est prêts à le surprendre. On a un petit cadeau pour lui avec une belle licorne. Puis un petit cadeau personnalisé. Fait qu'on va voir sa surprise. Je suis sûr qu'il m'a vu. T'es sûr t'as sonné? Là, ça sonne comme un piège. Il est en pyjama. Oui. Oh! Il est trop intelligent. Viens, enlève ton pied ou sinon ça gâche tout notre principe. De... Donc, Olivier, surprise. Surprise, on est là pour t'annoncer que t'es le coup de cœur du groupe 555 cette année. Merci. Fait qu'on a un petit dessin pour toi, un deuxième dessin. Petit dessin pour toi. On voit les talents ici. Puis, il y a, deux cadeaux dans la boîte pour toi. Donc, je t'invite à les ouvrir. Donc, le premier cadeau, bien sûr, le certificat avec l'enveloppe... à l'arrière qui te donne droit à une bourse de 50$ de l'association de parents. Merci. Donc ce certificat est clairement remis pour toute la personne que tu es. Oui, même des gens morts rêvent à moi. Ben oui! Une boîte dans une boîte. Si seulement c'était une boîte dans une boîte. OK. Ça va être vraiment beaucoup trop long au montage. Là, je sais que votre fête s'en vient. Fait que ça se pourrait que je me venge. C'était vraiment juste une boîte pour une autre boîte. Le 20e siècle, en 30 secondes, je vous montre. Salut! Moi, c'est Fred Côté, puis je suis ici pour vous présenter le numéro spécial que NF Musical a fait pour le Gala Méritas. Là... Venez pas me voir après avoir vu le numéro pour me dire « Hey Fred, c'était vraiment cool ce que t'as fait avec NF Musical pour le Gala des Méritas » parce que j'ai absolument rien fait. J'étais même pas là. J'ai absolument rien fait. C'est vraiment tous les élèves qui ont fait tout le travail. Puis je voudrais féliciter Sarah Montcarrière, Elodie Cyr, Basma Canoussi et Alex Brazo qui ont fait une job merveilleuse. Alors voici NF Musical avec la chanson « Together ». Bonne écoute! Oh,
chanson Together de Sia, c'était NF Musical. Nous avons mis nos voix ensemble pour vous. Merci et bon gala. C'est l'heure de présenter le prix de l'élève de l'année. Je suis full excitée. Ça se dit-tu vraiment encore full excitée? Il me semble que ça fait un peu années 90, genre Radio Enfer. Là, je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas le référent. Non. Moi, depuis que je suis en confinement, j'ai découvert que j'avais des cheveux blancs. Ça me donne le droit d'utiliser toutes les vieilles expressions out. Alors, sans plus attendre, voici maintenant votre directrice générale full débile écœurante à l'os, Madame Guylaine Côté. Wow! Les attentes sont élevées. J'espère être à la hauteur. Chers élèves, chers parents, chers collègues, chers membres de la grande communauté NF, en ces temps particuliers, même si nous sommes tous et tous séparés physiquement, nous voici réunis pour célébrer l'excellence, l'implication, l'engagement et la réussite des personnes au cœur de nos réflexions et nos actions, les élèves de Nouvelles Frontières. Pour certains, l'année s'est déroulée comme un long fleuve tranquille. Pour d'autres, ce fut une quête quotidienne à manœuvrer au travers des rapides, tantôt agréables, tantôt surprenants. Mais pour vous tous et toutes, récipiendaires du Gala 2019-2020, vous voici arrivés à bon port en étant fiers et en ayant le sentiment du devoir accompli. Votre unicité jumelée à vos différences font de vous les meilleurs ambassadeurs, les meilleures ambassadrices de NF. Je vous souhaite de poursuivre votre parcours vers la réussite scolaire et la réussite éducative en ayant toujours en tête que vous êtes des jeunes femmes et de jeunes hommes possédant de grands talents, d'extraordinaires aptitudes et de si belles attitudes. Vous avez des rêves, vous avez envie de changer le monde, allez-y, n'ayez crainte, vous possédez tout ce qu'il faut pour ce faire. Nous serons toujours là pour croire en vous et vous accompagner vers les plus hauts sommets. J'en profite ici pour remercier tous les membres du personnel du Collège Nouvelles Frontières. Je vous remercie, chers collègues, pour votre engagement, votre implication, votre professionnalisme, votre bienveillance et surtout votre excellent travail. Sans vous, nous ne pourrions atteindre l'excellence. Merci à vous, chers parents, pour votre collaboration et votre confiance qui nous inspire à faire plus, à faire mieux. Qui aurait cru un jour que nous aurions dû choisir de vous honorer, soit par texto, Facebook, Instagram ou Twitter? Personne ne nous aurait cru. Non, nous avons décidé que la planète entière devait être témoin de vos merveilleux accomplissements. C'est pourquoi nous avons choisi YouTube. Il est important de prendre le temps de vous nommer, de vous applaudir, de vous reconnaître pour que vous sachiez à quel point nous sommes fiers de ce que vous faites, mais surtout que nous sommes fiers de ce que vous êtes. En terminant, j'aimerais vous souligner quelle valeur que vous avez à nos yeux. Vous êtes des personnes importantes, sachez-le. Je vous souhaite une belle fin d'année, mais surtout, je vous souhaite de belles vacances bien méritées. Soyez prudents, soyez prudentes et en santé. Bonne fin de soirée. J'inviterai maintenant Mme Vicky Bello à lire le texte pour l'élève de l'année de la 5e secondaire. Merci Mme Côté. Alors avant de vous faire la lecture du texte de l'élève de l'année, il faut mentionner ici que notre élève se mérite 5 mentions cette année. Alors passons maintenant à la lecture du texte de l'élève de l'année. Mark Twain a un jour écrit: chacun de nous est une lune, avec une face cachée que personne ne voit. Cependant, il existe de fins observateurs qui, sans télescope, arrivent à voir ce qui peut être à découvrir. Cette lune, c'est notre élève. Elle ne le sait peut-être pas, mais son passage à NF restera gravé dans la mémoire et dans le cœur du collège. Grandement impliquée dans les activités scolaires, cette élève généreuse est soucieuse du bien-être des gens qui l'entourent. En effet, elle a la capacité et la volonté de rendre service là où il y a des besoins. Pensons aux périodes d'études, là où bien de ses pairs vont la voir pour lui poser des questions. Ses élèves savaient et savent qu'ils peuvent compter sur elle. Cette jeune fille émotive qui tente souvent de bien le cacher, quand elle rit trop,
elle pleure. Donc, on ne sait pas si elle est triste ou contente. Est une leader exemplaire. En voyage comme dans la vie, cette merveilleuse ambassadrice du collège sait exactement où elle va. Comme ses parents, elle veut exercer la médecine pour aider son prochain. Comme copilote en voiture, attachez votre ceinture. Elle gère bien le trajet pour respecter l'itinéraire en plus de divertir nos tympans. Non, chanter ne semble pas un de ses talents, à moins qu'elle ne nous le cache. Mais elle savait exactement quelle musique mettre pour rendre le trajet plus divertissant. En parlant de divertissant, cette talentueuse comédienne qui s'est démarquée cet hiver lors d'un festival de théâtre étudiant a remporté la mention de la meilleure interprète féminine. Cette artiste a également, un an plus tôt, participé aux Écolades en Suisse où on a pu voir une jeune fille autonome, sérieuse et aimant les défis nous démontrer que sa douance artistique n'était que la pointe de tout ce qu'elle pouvait accomplir. En plus d'avoir un talent artistique au niveau scolaire, ses performances sont remarquables. Il ne s'agit pas seulement de ses résultats, mais ce qui est extraordinaire chez elle, c'est son désir constant de vouloir obtenir la perfection. Elle aspire à vouloir améliorer ce qu'elle fait, une vraie perfectionniste. Si on revient à son implication, elle a été incroyablement persévérante dans son groupe titulaire. Ses idées avec celles de ses deux titulaires ont fait toute une différence pour la levée de fonds de Noël féerique ainsi que dans l'élaboration d'un bar à thé en classe. Elle a également été impliquée dans l'organisation des 30 heures de la faim et ce, même si l'activité n'a pas lieu. Bref, son désir du bien-être d'autrui se traduit partout où elle est, même à la clinique où elle travaille quand elle prend l'initiative de laver la vaisselle des docteurs, infirmières et employés pour les aider. Maria Semik, notre élève, cette lune en ces temps arc-en-ciel, comme tu le dis à la fin de chaque cours, merci. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu fais, et merci pour ce que tu feras. Merci Madame Bello pour ce bel hommage. Vous auriez aimé voir la réaction de Maria pour la remise de son prix? On a ça pour vous en vidéo. D'un côté, on s'en va où, là? Imaginez-vous, Mme Charest, qu'on s'en va porter le diplôme, le certificat de notre élève de l'année de 5e secondaire. Suivez-nous, on part. Allons-y! Bonjour, Maria! Bonjour, Maria! Mais peut-être qu'on va aller là-bas. Ah, oh, ben oui, si vous voulez, on peut descendre là-bas. Oui. Allô! Oh, mon Dieu, vous êtes plusieurs! Pourquoi sommes-nous ici, Maria, selon toi? C'est une bonne question. Parce que je suis finissante. Oh mon Dieu, ça me stresse, là. Je vais te le dire, ma belle. On est ici parce que tu es notre élève en 5e secondaire. Oh, ben non! Je te remets le diplôme. Mes mains sont propres. Je veux que je les ai lavées avant avec la médaille. Et je vais prendre quelques minutes pour te lire les mots que tes enseignants... Mais là, il ne faudrait pas que tu pleures, parce que tu vas me faire pleurer, OK? Que tes enseignants et tes enseignantes ont écrit sous la plume de Mme Bello. Bravo, ma belle. Bravo! C'est déjà la fin. Une autre année qui se termine. Ouais, toute une année. Vous allez avoir passé les 5 dernières années de votre vie au collège. Vous allez peut-être uniquement vous rappeler des 3 derniers mois? Non. Impossible. Non, je refuse. Les élèves, vous n'avez pas le droit de ne pas vous rappeler des bons moments que vous allez avoir passés ici. 5 ans, c'est pas rien, là. Alors, rappelez-vous de l'inauguration du jardin, l'inauguration de la cafétéria, tous les déjeuners partage que vous avez fait, les dîners pizza, les spectacles de Noël, les moments passés avec vos amis, toutes vos réussites scolaires, c'est pas rien, là. C'est des moments marquants. C'est pour ça qu'on vous laisse avec les meilleurs moments de vos 5 dernières années. Surtout, bonne chance l'année prochaine.